Salut tout le monde, c'est TheChrisGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 pour une vidéo assez spéciale, enfin assez spéciale oui et non, pour on va dire en quelque sorte le début d'une série, hein. Et aujourd'hui donc pour ce premier épisode de cette série, on se retrouve avec trois magnifiques mods. Donc on se retrouve avec une masse MX 1200 kg, donc une tonne 2. Le CAS Optum 270 CVX, donc franchement il est juste magnifique, et la classe Disco, voilà. Donc on va déplier tout ça, on éteint les gyrophares, ils ne servent à rien, nickel, hop, je me place bien, on l'active, on la baisse, et voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur du CAS. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo présentation de ce mod. Hein. On a franchement de tout. Regardez, en appuyant sur cet IC là, on peut avancer, reculer le siège. Non, mais c'est... Il est juste magnifique. Donc, je vous ferai une petite vidéo présentation de ce tracteur. Donc, je joue au clavier puisque j'ai eu un problème. J'ai un problème avec mon volant. Donc, voilà. Je joue au clavier, mais bon, hein, on va faire avec de toute façon. Si j'arrive à régler le problème avec mon volant, bah je rejouerai au volant, et puis si j'y arrive pas, bah tant pis quoi, hein, restera au clavier et puis c'est tout. Donc donc là on va se retrouver, enfin je fauche ce champ là ici, il y en a peut-être d'autres à faucher, je sais pas. Donc voilà, donc on est sur la map Vieille France, et puis voilà. Je voulais vous dire aussi, je n'ai pas sorti de vidéo là récemment, puisque tout simplement j'étais malade, et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, les vidéos présentations de chaîne ou quoi. De toute façon, la vidéo présentation de chaîne, je compte l'arrêter. Bon, parce que moi ça me saoule d'un côté, et puis de l'autre côté vous étiez assez nombreux à participer, mais voilà, je prenais pas du plaisir à tourner ce genre de vidéo, je prends pas du plaisir. Donc voilà. Bon, déjà vous voyez, ce champ là est déjà entamé, hein. Nickel. Et on fait X. C'est censé s'ouvrir, voilà. Bah forcément c'est pas dans le bon sens. Hop. Alors non, je sais pas. Hein. Je préfère pas tester si c'est en collision ou pas. Donc franchement, regardez, il y a même la manette là qui est animée. Et donc voilà. Je vais regarder. On va aller voir par là. Hop, attention petit dedan. Non mais franchement, ce mode là, c'est un mode qui est franchement super joli. Et franchement, il y a déjà un mode qui était sorti, mais je crois que je l'ai pu. Je vais regarder ça, mais je crois que je l'ai pu. Si c'est là, je sais pas si je l'ai encore. Je le cherche. Hein. De toute façon, ces cases en fait, ils étaient promis. Enfin, c'était la sortie était assurée. On savait pas encore trop quand, mais la sortie était assurée. Alors non, je crois que je l'ai plus. Je l'ai supprimé. Mais en fait, c'était un CAS Optum. Voilà, le 300. Et en fait, le gars, en fait, c'était une vraie photo. Hein. C'était une photo qu'il a dû faire lui-même. Qu'il a dû faire, en fait. Du tracteur en mode. Mais en fait, il s'avérait que c'était pas un... C'était une blague, en fait. C'était pour le 1er avril. Donc, franchement, si je peux vous donner un conseil, lors des 1er avril, évitez de télécharger des mods.
La plupart, je pense, sont des grosses des bêtises. Donc là, je cherche un champ d'herbe à aller faucher. J'en trouve pas beaucoup. Là, ça s'en est un, non? Oula, oula. Reste là. Je sais pas où est-ce que je peux en avoir un. Oh, je joue, mais là je suis pas fluide du tout. Là je suis fluide. Mais je pense que ça doit se voir en dehors de la capture. Mais à mon avis, c'est parce que je fais du 60 fps. La capture c'est du 60 fps. Faut peut-être que je pense à régler, enfin à descendre. C'est peut-être pour ça. Alors non, là on va arriver au niveau de la ferme. Ouais, dans le pire des cas, je fauché là. Ouais, je vais vous montrer ce qu'on a à la ferme. Ça, forcément, ça va pas vouloir s'ouvrir, donc je vais aller le mettre à un endroit où il va pas gêner, là par exemple. Nickel. Hop, hop. Ok. Donc bon, on a ce 270 CVX et puis la masse, etc. On a une benne, mettre un essieu pour tout ce qui est fumier. Un Fendt 930 Vario avec une benne mètre, enfin deux, on a deux bennes, deux essieux. Un épandeur ici Amazon. Voilà, bouge de là toi, merci bien. Ensuite, on a ici un Deutz DX471 avec une benne, enfin une cuve alizier Côte. Et un Gilibert ici, donc avec Irax 20. Et le gyrophare en ce fait qu'on voit ici, c'est un gyrophare LED, il est vraiment vraiment bien fait. Ensuite, bon bah on a ces deux là, je compte encore faire des achats. Hein. Là-dedans j'ai rien, non. Ici on a un John Deere 7810, donc encore avec une masse MX, ainsi qu'un Villa Chicel. Ici, on a une Citroën C15, donc avec, vous voyez, le panneau ici, en fait, qu'on voit agricole, franchement bien faite. Mon seul défaut, c'est quand regardez, on a l'impression que c'est trempé au sol, alors qu'en fait, non. Ici, on a un Renault Express. Donc, franchement, il est vraiment bien fait. Bon, l'intérieur, c'est pas trop ça, mais niveau extérieur, avec le petit gyrophare, le fil du gyrophare, bon, il n'y a personne à l'intérieur, mais bon. Voilà, vraiment bien fait. Donc le gyrophare aussi est mince. Le gyrophare aussi en fait est tout simplement, on peut l'allumer. Et là-bas, ici, voilà, on a un petit John Deere 50-55E avec un Silo King DA2300. Voilà. Donc en fait, je compte faire pour l'instant en fait voir des animaux, mais j'attends en fait d'avoir assez de stock, donc assez de stock en fait de paille, assez de stock d'herbe, assez de stock de maïs. Une fois qu'en fait on aura tout ça, bah j'achèterai les animaux. Ou alors à la limite, on commence par faire ça, on les paille, on fait de l'herbe pour leur donner à manger ou du maïs. Et puis voilà, surtout que du maïs, je crois pas qu'on ait déjà de planté. Maïs, non, on n'a pas de planté, donc vous voyez, il faut qu'on en plante. Donc j'ai encore plein d'achats à faire. Parce que je compte acheter celui-là, donc en ce mois en fait. Et puis, enfin, plein d'autres trucs, quoi. En moissonneuse, on en achètera aussi une, mais qui sera pas nous. Et donc voilà. Et voilà. Donc j'essaierai de vous mettre le lien, la plupart des liens donc, que je peux avoir, donc le lien des bennes maîtres, le lien du CAS, ainsi que le lien des... Ta gueule toi. ainsi que le lien des véhicules, des voitures, des masses, du John Deere et des villas. Donc, ça va être dur à retrouver, mais voilà. Donc en tout cas les amis, ouais, on va dire que c'est déjà fini. N'hésitez pas à aimer, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Hop, on va essayer de prendre une belle photo qui peut... Voilà, qui peut en fait tout simplement... Nickel. Donc voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter si c'est pas déjà fait. Enfin, si vous n'êtes pas déjà abonné du moins. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.
N'hésitez pas, bah, comme je viens de le dire, hein, je n'arrête pas de me répéter. Je tiens aussi à vous faire part, je vais créer un sondage là dans pas longtemps. Puis c'est un petit sondage, donc n'hésitez pas à aller le remplir, enfin le regarder, et voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir visionné, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde, c'était The Crazy Gamer.